Eh bien oui, bienvenue sur Téternel, BST du CGT, en ce jeudi 16 août, jeudi Stanré, c'est une grosse république. Alors, le vrai songe du matin. J'étais invité dans une espèce de grande fac. J'avais inventé un truc, mais c'était foireux ça. C'était un projet anti-gravitationnel. En fait, c'est là que j'ai compris après. Bon, enfin bref, je devais aller montrer mon nouveau matos, faire une conférence dans une fac. Une énorme fac, des millions d'esprits. Et moi, je devais passer en dernier. Alors, j'écoute les trucs entre les conférences. Au moins, la moitié fumait des gros joints. Des jeunes, puis des belles, des jeunes, puis de tout. C'est dans les rêves, c'est un vrai songe. Et en fait, je devais leur expliquer la gravité de la gravité et l'importance de la portance, ou l'inverse. Dans les deux cas, c'est dans les deux sens. Et il arrive mon tour, comme ça. Il y avait un grand orchestre qui chantait au-dessus, qui dansait et tout. C'était à fond, mais on n'entendait rien. Ils avaient tous des casques et tout, c'était super insonorisé. Mais ils faisaient la teuf. Comme ça. Et moi, dans la salle d'en dessous, le plafond était vachement haut au-dessus. Et d'un coup, je me lance au milieu, comme ça. Et hop, je chope une poutre à 10 mètres ou à 15 mètres. Puis hop, je chope deux poutres et tout ça. Jusqu'à temps qu'ils s'en aperçoivent. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de vous montrer que l'esprit n'a pas de gravité. Comme ça et que la gravité sur Terre, voilà, la vie de ta viande sur Terre, t'es soumis à la gravité, mais pas ton esprit. C'est pour ça que je dis, dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. C'est comme si tu dirais, c'est bien, hein. Tu dirais ça, c'est la vie de ta viande. Là, tu mets au point A, tu mets au point B, ça c'est l'envie de ton enveloppe charnelle, ça c'est la vie de ta viande. Ça marche par truc de 7 ans, c'est pour ça que je dis le droit de vote à partir de 7 ans, parce que c'est quand on dit que tu as l'âge de raison, et comme tout est multiple de 7, sur période de 12, plus tu es riche dans ce sens-là, plus tu perds ton esprit dans l'autre sens. Expliquez ça. Là, tu n'as point A, tu n'as point A, tu n'as point B. Là, c'est X, Y. C'est ton abscisse, c'est ton ordonnée dans ton repère orthonormé. Et le but du jeu, c'est de faire monter ton esprit. De ne pas s'attacher aux trucs capitalistes, matérialistes, machin, tout le bordel. Le but du jeu, c'est d'être toujours vers le haut de la croix. Je dirais le cœur, le carreau, en bas je dirais le pic et le trèfle, l'argent, le mensonge, le pouvoir, la corruption, le mensonge, tous ceux qui ont prêté serment. Il aurait mieux fait de prêter serment vrai. Le problème c'est que l'esprit il vient pas de la terre. Et que là où le bon Dieu est plus fort que nous, c'est matérialiser un esprit. C'est pas fabriquer une bagnole. Tu vois ? Ça, il faut 240 semaines, 240 x 7 pour faire un humain. Tu comprends ? Tout ça pour dire quoi ? À la fin de ma conférence, au moment où je me suis réveillé, j'avais pas tout raconté. Donc c'est maintenant, il faut que je le raconte. Mais il manque plein de détails. Un détail, entre temps j'allais dans le désert, j'allais un peu partout. Le rêve, quand tu rêves, c'est l'autre dimension, c'est la dimension de l'esprit. Mais quand tu expliques, quand tu parles à tout le monde et quand en quelque sorte tu essayes d'être juste et bon et droit, ça fait par exemple deux fois que quand il y en a un qui m'emmerde, je lui mets un choup au cul, en fait je mets un choup dans ma fenêtre et je me fais mal aux pieds dans le rêve. Et en vrai, tu vois le truc. Donc. Et en plus, il fallait dire autre chose. C'était autre chose que chef d'état d'âme, tu étais interprète. C'est-à-dire, il fallait que tu expliques à tous les monothéistes
qu'ils ne sont pas du tout sur la bonne voie. Maintenant, il faut rassembler pour le devenir de l'ensemble. À vitesse lumière, on est déjà tous morts. C'est déjà passé. C'est comme s'il fallait que je vous explique à présent qu'est-ce qui va se passer. Car aujourd'hui n'est que l'hier de demain. En fait, c'était un cours pour les étudiants de la fac, pour qu'ils comprennent, qu'ils se mettent pas dans le mauvais chemin. Peut-être tout ce qui attire, qui brille, la tentation, les trucs à poufias, les belles gonzesses, plein de pognon, le yatch, les partouzes, la coque, tout ça, le pouvoir. C'est de la merde. Ça ne va pas pour le monde nouveau dont je vous parle, des siècles. Parce que moi, je suis dans mon dernier chakra, un chakra de morue, non. Franchement, tous les matins, j'en ai marre de redescendre, ça me fait chier de me réveiller. Quand tu es dans le monde de l'esprit, le monde de la matière, ça n'a plus rien à foutre. Comme si tu te ressuscitais tous les jours. Donc, nous sommes le jeudi. Je fais mon speech, après je vais écrire le texte. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis écrivain dans l'espace-temps. Tous les jours, je mets une couche, un texte, un film, n'importe quoi. Mais parce que ça me vient comme ça. C'est la supraconduction synapsoïdale par acouphène. Évidemment, vous allez encore rien comprendre, mais ça existe, ça se peut. Pourquoi on laisse dormir l'enfant? Laissez rêver l'enfant qui dort. Mais l'adulte aussi, il faudrait qu'on laisse dormir et rêver un peu. L'esclavagiste des temps modernes arrive à 50 balais pour aller bosser pour 1028 euros, 1067 euros. Il faut arrêter, non? Pendant qu'il détourne du 300 000 à la seconde. Le luxe et tout. Arrêtez. D'ailleurs, Sûreté éternelle sur le Rigol Rock. Ça doit être sur le Soundcloud aussi. Et deux chansons de la Révolution. Ils ont 26 ans. Rogné Némiette et Ra et Blood. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir les jeunes, les étudiants en audiovisuel, pour réaliser le clip. C'est bientôt la rentrée. Toujours pour répondre à la question, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts. C'est du même une blague d'Isulte. En même temps, je fais Blues Brothers, je suis en mission pour le Seigneur. En même temps, je suis interprète, mais je connais ma position dans l'espace-temps. Mon abscisse et mon ordonnée, là, et ma position. Voilà, voilà. Le 16 août, qui est en fait le 18e jour d'après mon... Un mois et 18 jours, je suis chef d'état d'âme. Ça fait 10 ans, un mois et 16 jours. Ça que je fais crise de Nice, que je fais télé-éternel. Ça m'a jamais rapporté un centime. Mais en fait, je m'en fous. Par contre, les mégots par terre et les trucs comme ça, il y en a marre. Il faudrait un peu de caillasse quand même. Peut-être qu'il y en a qui s'intéressent, qui me publient, qui partagent les trucs. Je ne veux pas monétiser l'éternel, le YouTube, tu sais. On m'a proposé hein, plein de fois. Chaque fois que tu as une vue, tu gagnes 20 centimes, je sais pas, un truc comme ça. Après, quand tu as 100 000 vues, ça fait 100 000 fois 20 centimes. Tu as 200 000 vues, et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais voulu être riche, je n'ai jamais voulu être pauvre. Ni maxi riche, ni maxi pauvre. Il faudrait que tout le monde il ait un petit peu. C'est pour ça que la première loi, c'est l'histoire de passeport, carte d'identité, obligatoire et gratuit. Et droit de vote à partir de 7 ans, puisqu'on dit que c'est l'âge de raison. Enfin, à l'époque, on me disait ça. Faut pas oublier qu'un CAP d'il y a 30 ans, il voit un bac plus 10 de maintenant, mais tout. Ça gère à peine. Tout est numérisé, il y a tous des protocoles. Moi, j'avais... 15 ans, 16 ans, peut-être le début du numérique. Et déjà, je chantais. Non, je veux pas être numérisable. Pom. Tu vois, plein de trucs. Puis j'ai quand même grandi sur Trust. Donc ça, hein.
Les Genesis, les premiers, les Floyd. Un peu les Stones, mais ça vole pas haut par rapport au prix que ça gagne. Puis la langue, et puis le Please to Meet You, là, Sympathy for the Devil. Non, pas de Sympathy for the Devil. Non, Sympathy for the Bon Dieu. Tu vois ? À une minute près, j'ai raté le coup de canon, parce que mon horloge m'a fait tilt. On a tous une horloge interne. De là haut. En fait, quand tu regardes le ciel, tu crois que c'est toi qui regardes le ciel, mais en fait non, c'est le ciel qui te regarde. C'est ton aérobase. C'est ton miroir dans l'espace-temps. C'est un truc que vous avez du mal à comprendre, c'est qu'il y a d'autres dimensions. Main, question que on y apprend à compter, on y apprend à voir avec ses yeux, puis avec ses oreilles, on n'y apprend pas à comprendre et à voir au travers des lignes. Mais quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles ou non, c'est quand tu dors que ça se passe, la mise à jour du disque mou. Vous avez perdu la connexion à l'unité centrale. L'être humain, il doit être agent de maintenance de planète. Il doit faire ensemble pour le bonheur de tous. Vous pensez qu'à votre petit shot, à votre trou du cul, à votre maquillage à poufias, ça va pas. Ça va pas. Comment je vais faire à vous réveiller, putain ? Pas facile. On m'a dit c'est possible. Une grande famille, si tu veux, t'as l'ADN de ton sang, mais t'as comme un ADN d'esprit. C'est-à-dire la descendance de ta descendance. De... Mais là, qu'est-ce que tu vas laisser comme avenir pour tes enfants et tes petits-enfants? Tout le monde irradié, tout le monde fluo. C'est quoi ces conneries là? Je voulais pas vous sortir un peu les doigts du cul et de la tête. Il n'y a pas que la jouissance de tête de nœud. Il y a des trucs qui s'appellent l'osmose moléculaire. Quand tu fonds dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps. Mais ça, on n'apprend rien à l'école. C'est toi qui le découvres. C'est après la crise de la quarantaine. C'est comme ça. Si quoi 7, 42. Moi, j'ai 49. 7 fois 7. Je suis au 35. Côté 37, à mon QG. 10 ans que j'ai au QG. Là où je remets en place mes rêves du matin, justement. Il n'y a pas de prof pour ça. C'est des typos. Comme votre télé de merde, c'est des typos. On montre ce qui se passe, mais on n'explique pas pourquoi ça s'est passé. Et les pubs de merde, non? Je ne veux pas m'énerver, je vais boire ma petite 6 tranquille. Hier, je suis allé filmer l'Assomption au port. Mais ça sentait le truc foireux, je crois. Comme une écrive en panin. Les gens qui se servent du nom de Dieu pour gagner leur vie, mais ils n'ont rien compris, en fait. Comme quand j'avais dit à Patrice Salmon, c'était le socialiste à Nice. Et laïque, c'est comme le numérique, ça t'électronique. Ah, je suis deux secondes, il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, enfin bref. Voilà le 12h du 16. Et hop là. Envoyé spatial pour t'éternel. À vous cognac, j'ai pas. Ici Chris de Nice. Ça ira bien comme ça. Maintenant, faut déprogrammer toute la merde qu'on vous a mis dans la tête. Reformater les disques mous pour changer d'air et d'air. C'est pas compliqué. Sur Terre, vous faites de la merde. Surtout, vous la vendez.